Thank you.
C'est un effectif. Un effectif, il faut le voir. Donc, les questions, oui, est-ce que je néglige ? Je ne néglige aucune équipe. Parce que le championnat, souvent, on le perd quand on joue contre le dernier. N'est-ce pas ? Donc, à partir de ce moment-là, j'ai laissé. Vous avez vu, il y a 4 joueurs qui ont joué différemment. La fois d'avant, il y en avait 7. Et la fois d'avant, il y en avait 3, ainsi de suite. Donc, j'ai fait un petit tour de mon effectif. Il y a, dans notre malheur sur le jeu d'aujourd'hui, on a la chance d'avoir plusieurs compétitions à jouer, la Coupe d'Afrique et le championnat local. On ne peut pas jouer les deux avec un seul groupe de joueurs. Donc il faut voir tout le monde afin de sensibiliser les équipes sur les projets, les différents projets et aller au plus loin dans chacun des projets. Voilà. Je l'avais dit hier, que ce sera un beau spectacle, un beau match. J'ai dit que le CMP gauche des joueurs de talent, le CMP vient de se qualifier en phase des poules. Des sympas, des joueurs matures par rapport à nous. Il y a des petits détails qui a lâché, qui a fait que des sympas puissent marquer le bilan. Et sinon, dans l'ensemble, mes points, on fait ce que je leur demandais. Il y a des petits failles par-ci, par-là. Et bien, nous allons corriger sur notre métier. Oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Avant de dire les choses qui n'ont pas marché, je pense que je dois féliciter l'équipe de Fondement
sur le plan tactique. J'attendais effectivement qu'il surcharge son milieu de terrain pour empêcher mon jeu sur le côté et sur la profondeur. J'attendais ça. Ce que je n'attendais pas, c'est l'engagement. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe de Dauphin Noir a mis un engagement physique très important. Et au niveau de chez nous, des CMP, on a fait circuler le ballon un peu moins vite que d'habitude. Donc le contact est beaucoup plus facile. Et simplement, je vais supposer que l'accumulation des matchs, le retour, etc. Mais ce n'est pas une raison. Je pense qu'on n'a pas été bon aujourd'hui par rapport à ce qu'on sait faire. Et c'est tout. Et félicitations, parce que si on n'a pas été bon, c'est peut-être aussi parce que eux, tactiquement, ils ont été consciencieux et professionnels. Donc, vous n'avez pas remarqué que quand le DCMP attaque, nous réagissons. Il attaque, nous réagissons. Il y avait un combat au milieu de terrain. C'était un match tactique, si vous avez remarqué, parce qu'il connaît la force, j'ai vu visionner. J'avais la carte postale des DCMP. DCMP a des joueurs qui sont vite dans les couloirs. J'ai un peu bouché dans les couloirs là, pour que je ne puisse pas encaisser main. Mais ça peut arriver. Et on a lâché en deuxième mi-temps. On a attaqué, on n'a pas marqué. Ils ont attaqué, ils ont marqué. Et c'est parce que j'ai dit que respecter les consignes de ne pas attaquer et encaisser un but. Non, ce n'est pas ça. L'adversaire n'a jamais été minimisé. C'est ce que j'ai dit hier. Je ne minimise aucune équipe. C'est vrai que l'équipe a changé par rapport aux deux derniers matchs, mais l'équipe des deux derniers matchs avait changé par rapport aux deux matchs d'avant. Je ne sais pas si vous avez fait rapprochement. Ce n'est pas question de respecter ou pas. J'ai un effectif qui est cohérent. J'essaye de voir un petit peu tout le monde dans les matchs du même niveau. À partir de là, on constituera. Si on part sur un projet, puisque vous avez tendance souvent à oublier le projet, moi je pars sur un projet. Les victoires qui sont là, on les prend avec plaisir. On est parti sur un projet. Un projet, c'est un effectif. Un effectif, il faut le voir. Donc, les questions, oui, est-ce que je néglige ? Je ne néglige aucune équipe. Parce que le championnat, souvent, on le perd quand on joue contre le dernier. N'est-ce pas ? Donc, à partir de ce moment-là, j'ai laissé. Vous avez vu, il y a 4 joueurs qui ont joué différemment. La fois d'avant, il y en avait 7. Et la fois d'avant, il y en avait 3, ainsi de suite. Donc, j'ai fait un petit tour de mon effectif. Il y a, dans notre malheur sur le jeu d'aujourd'hui, on a la chance d'avoir plusieurs compétitions à jouer, la Coupe d'Afrique et le championnat local. On ne peut pas jouer les deux avec un seul groupe de joueurs. Donc il faut voir tout le monde afin de sensibiliser les équipes sur les projets, les différents projets, et aller au plus loin dans chacun des projets. Voilà.